Bonjour, bonjour. On est mardi, et le mardi c'est le projet Amiens dans Minecraft. Salut Dr. P, salut Lynn. Hop hop. On est sur l'ancienne manufacture Kosra, c'est notre cinquième live. Ça fait un peu plus d'un mois qu'on est dessus. Il va falloir se bouger un petit peu. Alors, l'île d'Aragorn. Qu'est-ce qu'on est censé faire aujourd'hui? Pourquoi j'ai ces trucs-là, moi? Dans les pattes? Pourquoi j'ai une boussole? Pourquoi j'ai un bloc d'or? Ah, on était sur le moulin. On aurait fait le moulin. On avait fait le moulin. Je vais me connecter au... Oh, le petit jardin Fredo, c'est mignon. C'est sur le Discord. La vie du Discord. Hop. Je suis connecté. Pourquoi j'ai récupéré... Mais qu'est-ce que c'est que ce beans? Pourquoi j'ai récupéré une feuille? Qu'est-ce qui se passe là? Il se passe des drôles de trucs. Ah, on n'a pas de porte ici. Ouais. Ah oui, c'est là qu'on avait un... On avait le livre. Hop hop. Ah, c'est toi qui me balance des trucs. Au secours, au secours, au secours. Ah oui, on avait fait ça le dernier coup, hein. On avait aligné les bâtiments et tout, mais je crois qu'on avait fini par le moulin. Donc faudrait passer à la suite. Alors, attendez, hop, manufacture. Kosra. Ça va? Ouais. Coucou. Tu m'entends bien? Ouais. J'ai pas de grisonnement, rien. Non. Non, et t'es fort et clair. Je suis forte, c'est vrai? Ouais, là il est fort ton son, ouais. T'as changé de micro? Bah non, pourtant. Non, non. Attends, je vais baisser un peu, moi, de mon côté. Je peux baisser, t'étais à 200%, donc je peux te mettre à... 100... Ah oui. 175. Mais comme j'ai... Je me suis déco sur mon Discord, ça se trouve du Discord, ça se trouve c'est ça. Je me suis déco reco, parce que Discord, il, à un moment donné, ça marchait pas. C'est ça qui fait que... Ouais. C'est dans quoi les voix vidéo? Je vais baisser un peu mon son quand même. Hop. Voilà. Je l'ai baissé. Alors, on a fait le F. Le moulin. Oui, on avait fini, je crois. Oui, 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 il est fini, oui. Donc il nous reste à faire, là, dans l'ordre, la conciergerie, le réfectoire, on l'a fait, donc la maison du directeur, le monument aux morts. En attendant qu'on soit plus, qu'on soit un peu nombreux et qu'on fasse un vote, on peut se faire le monument aux morts, peut-être. Les bâtiments administratifs. J'ai la coopérative et H les écuries. Le 1 et le 2 on l'a déjà fait. C'était l'atelier de tissage. C'était facile puisqu'il n'y a plus de toit. C'était la fameuse salle des 500 métiers.
Et le bâtiment, la cathédrale, le 2 qui abritait la salle des machines à vapeur. Les deux machines étaient installées dans une vaste salle à l'étage. C'est-à-dire qu'ils avaient installé des machines à vapeur en hauteur. Et c'est ça qui devait faire fonctionner les ateliers de chaque côté, puisqu'il y avait des ateliers aussi de l'autre côté. Et en 5, c'est quoi? C'est le bâtiment des chaudières. Avec la cheminée. Ouais. Pop. Et 4, c'est l'atelier de tissage d'étoiles et de lourdissage. Ouais, et la machine à vapeur était... Il y avait la machine à vapeur qui était en 3. Ok, doc. Pop, pop. Ouais, j'étais en train de mettre du feuillage et tout. C'est pour ça que j'avais plein de feuilles dans mon inventaire. Alors, l'île d'Aragorn, elle est là. Nous, on est là. Bon, donc là, il y avait des machines à vapeur. Et là, il y avait un atelier. Il n'y a plus de toit. Cool. Donc la salle des chaudières, ici, avec le bout de la cheminée. Je pense qu'elle devait être plus grande dans le temps, mais elle a été... raboté. Et puis bon voilà, différents bâtiments avec des toits un peu dans tous les sens, c'est cool. Bon, nous là, en attendant de pouvoir faire un petit vote, on va se faire ce bestiau là. Ça devrait pas être bien compliqué, hein. Combien ça fait de haut? Alors attends, on est à 18 mètres et le haut est à 25 mètres. Ah, ça fait quand même 7 mètres de haut. On a des photos sur le de plus près. Un monument mort. Ouais, sur le... Bah, c'est un gros bloc de pierre ou de béton, je sais pas trop. Avec une liste de noms. Oui, et puis ça fait un... comme la croix de guerre là. Ouais. Je pense qu'il est orienté... Il est orienté... Je pense que la liste des noms doit être là. Tiens, il est orienté comme ça. C'est chaud à faire, ça. De l'andésite poilu, peut-être. Ça va faire combien de large? Petite règle. Facilement dans les 5 mètres, ce qui nous permettrait d'être impair. Et en profondeur, dans les 2-3 mètres. Oh. Pourquoi il veut pas que je rentre regarder l'image? C'est marqué... Alors là, j'ai 1, 2, 3, 4, et là, j'ai 1, 2, 3. J'aime pas ça. D'un autre côté, il est pas... Est-ce qu'il est centré? Ah, si, quand même un peu. Alors, on va trichoter... Non, on va pas trichoter. On va s'adapter, oui, comme on fait d'habitude. Et pouf, pouf, pouf. Par contre, sur le devant... Il y a du feuillage autour. J'ai pas l'impression. Ah bon? Sur la vue satellite, j'ai pas l'air d'y avoir. Par contre, il y a 4 mètres. Donc 1, 2, 3, 4. Ah, sur l'image, oui. Mais c'est pas le bon que j'ai, moi. Peut-être. Et là, il y a... On dirait qu'il y a... Ouais. Ouais. Je sais pas si c'est ça. Il y a une petite... Il y a un petit tour, en fait. Et en quoi on pourrait le faire? Hop.
si on veut un peu le différencier. Si, il y a un côté qui est... Alors, on voit bien là. Ah si, c'est le même que ce que j'ai sur l'image. Il y a un côté que c'est du feuillage. En vue satellite, on voit pas du tout de feuillage. Hein. Ouais, sur l'image, il y en a un petit peu, mais bon, après... Alors... Escalier. Oui. On est plus orienté comme ça, oui. Escalier de l'autre côté aussi. Puis après, ben... Et puis là où une croix. Pas évident là. Ah si, le mur est dans des îles peut-être. Du coup, pour rester dans le ton. Ça fait un peu... Mon popal... Ah, c'est marrant. Ouf, je l'ai carrément fait sauter le truc, hein. En fait, il est toujours là. C'est ça qui est... On peut pas le casser, il est toujours là le truc. C'est spécial, hein. Faut faire super gaffe avec ça. On peut faire disparaître des blocs alors qu'ils sont toujours là. Ouais, c'est là qu'il y a les feuillages. Ouais, il y a un petit truc Z au pied. On va mettre ça. Là. Bon ben voilà. Ouf. Oh c'est marrant. Est-ce que tu le vois creux aussi toi le truc sur le côté? Oh bah oui. Comment ça se fait que ça fait ça? Parce que j'ai enlevé le hup. Ah bah oui, on dirait qu'il est taillé en fait. Comment ça se... Ah ouais. Ouais. Mais... Y a un bug d'Optifine ou... Ah. Ou c'est avec le bâton magique, comme on le retire. Ah, ça si le on creuse, retire le hup, ça fait que le truc est creux. Ah ouais. C'est la première fois que je vois un truc comme ça quand même. Bah moi aussi. Bon après on peut laisser la croix comme ça. Hein. Enfin. Ouais. Bizarre. Ouais, là on a des petits feuillages, mais bon, on n'est pas obligé de les faire. Hein. Éventuellement après, mettre de l'herbe. Ouais. L'entourer des herbes. C'est un. En travers, les feuillages, après. Si on peut faire un petit truc. Ouais, sur la grande photo qu'il y a sur Wikipédia, à l'arrière, il y a. Tout l'arrière, on pourrait presque mettre. Tac. C'est un truc comme ça, non? Je sais pas. On n'est pas obligé de remplir, si. C'est quoi les feuilles que j'ai là? C'est pas. C'est... Ah, c'est des feuilles de bouleau. Il y a presque un petit. Un petit aussi sur le côté, là. D'escalier. Oui, sur le côté, ouais. Mais moi, je. Ou alors, attends, on le fait comme ça et on le remplit carrément. Ah, peut-être pas le bord. On fait tout le remplissage comme ça.
Donc on va jusqu'où? Jusqu'au... Même l'intérieur? Oh non. Non, on laisse peut-être un espace de 1 pour passer autour. Hop. Ouais, pour que leur dîner taille. Ouais, on dit que c'est bon. On dit que c'est bon. Bon, on est. Ouh, on n'est pas très nombreux, disons. Ouf, vache, oui, on est vraiment pas nombreux. On est 11. On va peut-être pas se faire un quoi qu'on fait, hein. Un quoi qu'on fait à 11. Ah oui, comment ça se fait qu'on est, on est si peu? Bah. Ah bah, c'est plus les vacances, hein. Ah ouais. Ça y est, c'est fini c'est les plus, vacances. Plus... Bah c'est oui, terrible, ça. Même les jours fériés, ils ont repris. Ils ont repris les cours et tout ce matin. Et pourtant il pleut, il fait mauvais temps, les gens devraient pas sortir. Bah moi j'ai du soleil là. Oh t'as de la chance, ça fait 3 jours là qu'il pleut à verse. Ouais mais ce matin on s'en est pris une bonne. Oh elle a marre. C'était démarré par tout gris, mais sec. Dire ah chouette je vais peut-être pouvoir sortir la débroussailleuse ou autre. Et puis d'un coup, ouais. Paf patatrac. Oh. Non bah, c'était mort. Moi, j'ai grosse flotte et tout. J'ai sortir entre deux prunes. Et je l'ai bien fait parce que sinon, bah là, c'était vraiment. C'était vraiment la pluie, mais forte quoi. Il fait lourd en plus, je pense qu'à mon avis. On va retomber en orage, ça. Le G, c'était quoi, la coopérative? Hop, coopérative. Oui. Et le H, les écuries. On va faire que du 1 minute. Allez, vous avez 1 minute pour voter. Hop, vite, c'est du rapide. Et c'est bizarre, j'ai rien sur ton chat Twitch, y'a pas un souci? C'est peut-être calme. Ouais, tu crois? C'est bizarre quand même, non? Ah, est-ce que tu as mon test? Je vais faire un autre test. Test 2. Ouais, test 3. Ça paraît bizarre. Ah si, c'est bon, je te vois, ouais. On peut faire un test 5 aussi. Hein. Ah. Ouais, ça fonctionne. Il va remplir tout le chat comme ça. Mais... Je suis dans une boucle. C'est horrible. C'est horrible. Donc il y a eu un vote. Ouais. Eh ben on fait les écuries, voilà. On a eu un vote, une seule voix pour les écuries. Que celui qui vient de voter se dénonce. C'est pas moi parce que bizarrement je peux pas voter moi. Enfin, moi je peux voter mais j'ai pas voté. Ouais, mais je crois que je peux pas voter. J'avais essayé un coup histoire de trafiquer le vote. Ouais. En me disant je peux peut-être même voter plusieurs fois et je suis le chef. Salut Obdo. Salut à toi. Bon alors, les écuries, c'est pas compliqué, elles sont... Oh, elles sont petites les écuries. Elles sont là. Ah, il y a quelqu'un qui s'est présenté. Bonjour. Les écuries, c'est ça. C'est petit. C'est petit mais mignon. Par contre, attends, j'ai un doute. Hop, hop. Je vais remesurer le truc parce que j'ai un doute sur la longueur. Comment dire? Ça fait dans les 20 mètres. 20 sur, mètres de long. Sur Google Earth, ils ont changé au niveau de la sur la cette... manipulation par rapport à la souris, non? Non, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que c'est plus dur à tourner maintenant. Où ça vient de moi? Ouais. Qu'est-ce que t'as bu à midi? Ouais, là j'ai 15 mètres. J'ai rien vu pourtant. Attends, on va mesurer la distance entre ici et ici. On a presque 9 mètres. Ah bah 9 mètres. Donc,
Donc ce serait la coopérative qui serait trop longue de 5 mètres. Oula. Jusqu'où elle va, elle? Là on est sur du... Ouais, du 28 mètres. Hein. Ok. Donc, alors c'est la trace IGN. Hein, elle est pas hyper fiable, la trace IGN ici. Donc là, si j'ai 15, ici je dis que j'ai 16, 17, 18, 19, 20. Et hop. Alors peut-être que ça nous arrange d'avoir du pair. Peut-être, ouais. Parce que il y a un truc, ça nous arrange peut-être d'avoir du pair. Dis-le-moi tout de suite. Dis-le-moi tout de suite. Je peux plus tourner avec ma souris Z, alors j'ai un problème là. Oh. Ouais. Et là on est à 28. Je peux plus naviguer sur. Oh, qu'est-ce que c'est que ce travail? Pourquoi ça me fait ça? Est-ce qu'on est au bord de la rivière, bord ou moins bord? Ah, on n'est pas loin, à mon avis on doit pas être très loin du bord. Donc on va augmenter de 1 l'écurie. Alors, on est bien sur du 20 au niveau de l'écurie. Non, du 19. Ah, bon, on va dire que 19 c'est bien, non? T'arrives plus à tourner ta souris alors? Non, sur Google Earth, y a pas une option, quelque chose? Pour faire tourner, moi j'appuie sur le clic molette. J'appuie sur la molette. Clic molette pour faire une rotation. Sinon, clic gauche, ça fait du latéral. Latéral droit, latéral haut. C'est ZQSD. Et puis clic droit, fait rien. Ah, bah, si, bon. Clic droit, ça, c'est le zoom. Ouh, on peut faire le zoom avec le clic droit. Ah, c'est bon. Ça y est, c'est revenu. On est monté trop. Alors c'est un zoom, mais on est on pointe toujours sur le truc, c'est marrant. Bon, on arrête de jouer. C'est et bon, pour rotationner, je fais un clic molette. Alors, petit bâtiment qui devait y avoir une petite crotte dedans. Ouais, qui sent la noisette. Alors sur les bords, on serait sur du 6 mètres. Et on a une fenêtre, une porte, une fenêtre. Oui. Ça nous fait quoi ça? Ça fait beaucoup. Une porte. L'autre côté aussi. Là ça veut dire qu'on est sur du 7 mètres. C'est-à-dire qu'on va avoir un truc central qui va être tout petit, sauf si on dit que on le fait là. Alors, est-ce qu'on lui donne un peu de relief à ce bâtiment? Ce qui veut dire que là on a hop une porte. Ouais. Et puis là on aurait une grande porte pour les chevaux. Ouais, ça pourrait être pas mal. Ouais. Ça serait proportionné. Même si je pense que dans la vraie vie, c'était plutôt ici. Et auquel cas, là, ça fait tout petit. Ah oui. Après, on a deux fenêtres au-dessus, hein, de la grande porte. Ouais. La grande porte, c'est plus long que... C'est plus long que ce qu'il y a là. Ça fait... Le grand bâtiment fait dans les 8 mètres. Donc là on est sur du 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, il faut 2 de plus. Donc on va faire comme ça. Je remets comme tout à l'heure. Pour avoir le grand là, truc au milieu. Ouais, et on pourra avoir deux fenêtres. Impec. Salut Bis. Cool Bis. Anesthésiste, c'est les gens, tu leur serres la main, paf, t'as déjà dépensé 100 euros. Après c'est normal, c'est des gens hyper compétents. Bon, puis t'as pas trop intérêt à les embêter parce que c'est eux qui te réveillent. Oui, c'est vraiment... Salut Augustin. Si tu les embêtes, ils vont pas te réveiller. Ouais, mais oui. Si tu les payes pas, surtout. on met des portes
Des portes en sapin simple? J'adore. Oui, c'est une écurie. Alors le dessus... À quelle hauteur il va bien être le dessus? Peut-être plus haut que ça. Parce que ça a l'air grand le truc blanc. Oui. Qui devait être des portes... Oui, c'est ça qui se... Pour ouais. rentrer chez Kvo. Oui, on fait bien le son. Oh là là, on est pas bien, hein? Non. Hop. Sur le côté, on a quoi? Je pense qu'on a rien. C'est bien. Donc là, on va voir toi en tuile. Bah, de toute façon, là, je pense que derrière, ça doit être peut-être des petits trous pour l'aération. Parce que c'était où à Annecy? Il y avait un ara, un ara. Ça se dit ara, mais ça s'écrit avec un h et avec un s à la fin. Et quand je suis arrivé à Annecy, il y avait encore des chevaux dedans. Et et quand tu passais sur le trottoir, alors tu dis. Tu vas me dire, mais comment tu savais qu'il y avait encore des chevaux? Bah quand on passait sur le trottoir, on le sentait. Bah puis tu devais les entendre aussi peut-être, non? Bah ouais, de temps en temps on les entendait, mais surtout on les sentait. Tu les sentais avant de les entendre. Mais ça m'avait impressionné aussi, c'était la première fois que j'avais été au cirque. Ah. Et il y avait des chevaux qui étaient rentrés sur la piste pour faire leur tour. Ouais. Et d'un coup, l'odeur change complètement. Surtout que je crois qu'il y en avait un qui avait lâché du truc. Après, t'as des gars qui viennent ramasser et tout. Hein. Bon, c'est dans les cirques, c'est normal. Surtout si t'as un acrobate qui tombe dedans et tout, c'est pas forcément agréable. Mais bon. Bon, toujours les trucs et astuces pour savoir si dans un hara, il y a des chevaux ou pas. Je me demande s'il faudrait pas le faire plus haut, mais... La porte, on l'a fait en bois. On l'a fait en bois clair. Oui, ouais, je pense. La porte centrale. Ouais. On n'a pas de blanc, mais il faudrait presque du blanc, quoi. Ouais. Et il faut la faire à ce niveau-là? Oui, je pense. Donc là après on monte, non pas celui-là. Les fenêtres on les met un cran plus haut Z ou on les met directement sur la barre. On est à 18 et la fêtière est à 28. C'est-à-dire que... Elles sont au niveau du toit en fait. La, hein la fêtière va être à 10 mètres. Là on a déjà 1, 2, 3, 4. 5 donc 6. Attends, je vais mettre... On a réussi à faire du pair quand même. Comment on a fait notre compte? Je sais pas. Oh non. Et tous des calculs. Et une journée de calcul fichu en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et donc 10. Et bah tu sais quoi, la fêtière, on va la faire comme ça. Hop, voilà. Comme ça, elle va être bien. Elle va être bien, Tintin. Quand on est en paire, faire une fêtière, il suffit de faire comme ça. Si on est en impair, on est souvent obligé de mettre une petite dalle au milieu. Donc, les fenêtres, on les met à même, oui, comme ça. Hein, à même sur, oui, comme ça. Et donc là, on arriverait ici, là. Ouais, c'est valide. Puis un petit trou, un petit œilleton mis en haut. Ouais. C'est-à-dire, on se claque des escaliers de. Un escalier de. Ah, comment on dit? Comment on appelle ça? Ça va me revenir.
Escaliers de briques, tu sais, mis ouais. En bloc-bloc. Ah oui, ça fasse un tout petit. Que ça fasse petit un tout petit, hein, petit œil. Ouais, un tout petit œil. Un œil de bœuf. C'est l'œil du bœuf. Alors à côté, on est dans la coopérative. Donc hop, on fait rien. Alors ici, pop, 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 pop. Toc, toc. Et bah pareil. Ici. Oh, j'adore quand un plan se déroule sans accro. Les fenêtres, on les ferme. On fait quoi? Ouais, j'ai l'impression que ça a l'air tout fermé. Bon, on va mettre des trappes, on va faire pareil, ouais. On va pas changer la. Non, on change pas. Elles sont l'air un peu blanches, mais blanc, ça voudrait dire qu'on utilise des trappes de boulot, ça va faire. Bizarre, hein, non? Ouais, ça... Bah, oui. Alors, attends. Allo Houston, on a un problème. Si on fait ça, on n'est pas bon. Si on fait ça, on n'est pas bon parce que... La sablière, le bas de la toiture centrale est plus haute que la faîtière des côtés. Ah bah oui, on se retrouve avec un... Ah oui, donc faudra la monter beaucoup plus. La monter beaucoup plus, ou alors ça veut dire qu'on est... C'est une pente beaucoup plus faible, et il faudrait qu'on utilise des dalles. Ah. Ah oui, mais les dalles, j'aime pas ça. Salut Mimiche. Un œil de bœuf ou de cheval. Œil de cheval, je connais pas. Œil de bœuf, c'est connu. Top, 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 top. Alors, eh ben on va reprendre des dalles de grès pour voir un petit peu. Alors déjà, premier truc, on peut essayer ici de voir ce que ça donne. Et puis derrière, c'est fait comment derrière, il y a quoi? Alors le problème, avec du père fermé. Et des dalles... C'est que la fêtière elle est plate. Donc là on arrive ici. C'est-à-dire on arrive toujours au-dessus du truc. Donc il va falloir faire sortir l'arme secrète. Hein. L'arme atomique. On est ici, et à ce moment-là, on se dit « Oh, magique! On est au-dessus de la fêtière! Oui, gagné! Bingo !» Bon, ben on fait tout en dalle. Ok. Donc là, oui, on est comme ça. Tac, 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 tac. Tac. Ah oui, ça monte beaucoup plus haut, ok. Ah oui. Alors, attends, tac. Ça fait ressortir ou pas? Ouais. Ensuite, là, t'as mis à monter d'un cran. Ouais, je te laisse faire le toit, là. Hop. Il faut pas aller trop hein. C'est de la dalle. C'est la dalle que je préfère. Ouf. Je suis tombé. T'as tombé non, ouais, moi aussi, ça m'arrive de tomber. J'abolis. Non, t'as tombé. Alors ça, c'est un... C'est tiré d'un film que ma fille a vu 5000 fois. Quand elle était petite. Elle était pénible quand elle aimait un film, elle regardait que ça. La petite sirène, elle l'a regardée
4800 points. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus. La petite sirène. Non, pas la petite sirène. Ok. Alors attends, faut que je m'en repère les fenêtres Z. Alors je vais faire un trou dans le mur. Hein. Tu crois qu'il y a des fenêtres derrière? Non, non. Ah, mais elles sont fermées. Ah, c'est, mettre, c'est des fausses ouais. fenêtres, je pense. Oh putain, ouais, Oh, ça c'est rigolo alors. T'as un faux. On a une espèce d'auvent alors que derrière c'est la forêt vierge. Je sais pas ce que oui. c'était dans le temps. Ah, c'était peut-être une pâture où il est. Donc il y avait peut-être une sortie derrière pour les faire pâturer ici, les chevaux. Et bon, bah, comme y a... ça fait belle lurette qu'il n'y a plus de chevaux. Là, ici, on a un mur. Dans la continuité du truc. Hop. Et ici, on avait donc un petit quelque chose ici. Ah oui, il y a un espèce de vent. Alors, on voit rien. On va estimer que c'est qu'un auvent. Ouais, parce qu'après c'est rempli d'arbres, donc oula. Juste sous les fenêtres. Ou avec un petit écart. Un petit écart, je pense, ouais. Je pense. J'ai l'impression qu'il y a un. Ouais, un petit écart, ouais. Là, on a des fenêtres ici, là. Des petits trucs. On appelle ça des vasistas. Non, c'est pas des vasistas, ça. Ça s'appelle comment déjà? Les vasistas, c'est les fenêtres de fenêtres. De toiture. Ouais. Mais ouais, oui, il y en a deux petites. Ouais. Et un trou dans le. Je pense qu'il y a un trou dans le toit. Oui. Moi je dirais ici. Éventuellement ici on peut se. On peut pas faire trop gros si on met ça. Mais ouais, je trouve ah, ça par fait contre, gros, non. Ah, il aurait été plus court alors. Ah, brin. C'est-à-dire que là, le plancher, il serait où? Alors. Alors ici, si c'est des bestioles, c'est un ensemble de allez, 33% de pozzol, 33% de comment c'est la paille. Ah. Moi j'ai mangé en français, je peux pas te dire. Et si tu fais F3 dessus, tu sais pas si t'affiches pas le Minecraft 2. Quelque chose. Ah, attends, je vais te dire. Non, il met rien du tout. Ah. Ah non, il met plus rien. C'est ça le problème. C'est quand t'es en contrôle H, F3 H, il t'affiche botte de paille, bloc naturel, Minecraft et. Bloc, ah bah, attends, H-A-Y, bloc. Minecraft, ouais, H-A-Y, ouais, H-A-Y, bloc. Donc c'est ce nom-là qu'il faut. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Ah, de la terre stérile, du 3. Donc, oui. 7 pozzol, 7 haies, bloc, et 33% de 3-1, terre stérile. Oh, joli.
bon, c'est pareil, on va mettre pareil, Zay, devant, tu restes sur le même, même sol. Là sur les côtés, c'est pas des écuries, non? Ça fait plus. Ça fait petit comme écurie, hein. Oui. Ouais non, c'est pas Ebail, c'est Ebloc. Ebloc. Par contre, il y a pas de truc au-dessus, c'est des c'est pas des chiens assis. Moi, je me le mettrais donc sans truc comme ça. Hop. Juste des fenêtres de toit. Des vasistas. Ouais, j'ai hésité. Non, on le voit bien qu'il y a pas de c'est pas des chiens assis, donc il y a pas de truc sur le dessus. J'ai hésité. Ok, d'accord. Bon, sur le devant, on reste avec la terre stérile et tout ça. Bon, en fait, c'est une ancienne. Ouais, je mettrais peut-être un petit peu de vert, moi. Parce que sur la photo satellite, on voit un peu de vert. Surtout, voilà, côté des... surtout du côté des bâtiments de l'autre côté. Ouais. Alors que là, par exemple, ouais, nous on voit pas bien à cause de l'ombre. Mais ici, par exemple, il y a pas mal de verre. Puis là, il y a de l'herbe là, ici. De la bonne mille, la bonne mille. Là-bas aussi, dans le coin, ouais. Salut Flo. Oh. Il y en a aussi au milieu. Au milieu en face du bâtiment, ouais, dans ce coin-là. Ah, il y a que l'ombre, on voit pas beaucoup, hein. Le bitume est en train de doucement disparaître, quoi. Ouais. Ok. Ça roule. Donc il n'y avait pas de cheminée, rien. Donc voilà les écuries, les anciennes écuries qui sont faites. Ah, j'ai pas fait de. Je voulais faire le premier étage. Hop. Donc on se met ici. On fait un fil. Spruce slab en type égal top. Ouf. Spruce slab en type égal top sur 42. Hop. Hop. Et un petit escalier quelque part. Ah, ou une bonne vieille échelle. Oui, à la sauvage. Voilà. Ah, peut-être avec une petite trappe, tiens. Et hop. Ouais, puis il faudra rajouter plein d'arbres derrière parce qu'en fait c'est un peu caché. Ouais, c'est complètement. Un peu caché, hein. C'est complètement envahi d'arbres, de végétation luxuriante. Ça a complètement, complètement envahi le truc. Ok, bon ben voilà. Allez, on refait un autre quoi qu'on fait. Oula, attendez. J'ai pas choisi le truc. Nouveau sondage.
Quoi qu'on fait. Donc c'est le quoi qu'on fait numéro 2. Dans la liste des trucs à faire. Donc la conciergerie. Conciergerie. Le réfectoire, on l'a déjà fait. La maison du directeur. Les bureaux administratifs. Oh, Administratif. on rajoute de la nourriture dans le réfectoire Z. Ouais. La coopérative. Tu rajoutes de la nourriture. L'écurie, on l'a faite. Donc après, il reste le Ouais. bâtiment. On va faire le 5. Le 5, c'était le les chaudières. Le bâtiment des chaudières. Allez, on met 2 minutes, on est un peu plus nombreux. Ouais, est-ce que si tu changes la map visiteur, on avait dit qu'on mettrait distributeur à nourriture et puis lit aussi, je crois. Ouais, mais là c'est pas un truc habité, alors Ouais. je sais pas. Au niveau distributeur à nourriture, on en mettra. Ah, il y a la brasserie à faire. On en mettra la brasserie. Ah, ben on mettra la brasserie, ouais. Donc la brasserie qui est là. Ah, il faudra le rajouter dans le prochain. Dans le prochain truc. La brasserie. Tavernier. À boire. Mettre un panneau, ça on s'en rappellera. Alors là, c'est la Nourriture. conciergerie qui est partie à fond. Pop, 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 pop. 3 voix pour la conciergerie. Alors la conciergerie, c'est Stupide. un truc. C'est un truc par ici. Ça devrait aller. Ah oui, est-ce qu'on aurait pu. Ouais. Ouais, non. On va laisser. Ça, par contre, je pense que comme il y a un autre bâtiment. Hop, ça viendra contre. Quatre voix pour la conciergerie, 3 voix pour les chaudières. Les chaudières, c'est plus loin. Par là. Oh, il y a encore un bout de. Où c'est là, les chaudières, c'est peut-être là. C'est peut-être ce coin-là. Mais 6 voix pour les. Hop. Ah oui, Ouais, c'est c'est ce ça. coin ici, là. C'est en face de la cathédrale. Ouais. C'est ce petit truc là ici. Ce tout petit truc là ici. On aime les trucs petits, ça va vite à faire. Donc on en est où du vote? Top! C'est la conciergerie. 6 voix contre 4 voix pour les chaudières. La salle des chaudières. Donc La la conciergerie, c'est à qui tu fais la conciergerie. con? Alors la conciergerie, c'est à l'entrée. Du coup, il y a la vue de Oui. rue qui est disponible ici. Voilà, c'est ça. Je vais me prendre sur l'autre. Hop. Google Map. Hop. France. Comment il sait que je suis en France? Est-ce qu'on serait espionné? Alors, l'île d'Aragorn. Hop. Concierge. Il n'y a pas moyen de. Ouais, c'est écrit concierge là. Le bâtiment qui est en face, on l'a pas dans la liste des trucs à faire. Ah non, on l'a pas. Bâtiment. Ouais, bon, on le fera dans le. Comme la concierge est petit, on le fera dans la foulée. Ça fait un bâtiment un petit peu moderne. Ouais, c'est ce truc-là. Ça sera, c'est tout droit, ça sera très très vite, très très rapide à faire. Hein. Pop, 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 pop. On sait pas trop ce que c'est, mais c'est pas grave. Ça a pas d'importance. Ça n'a aucune importance. Alors, la maison du concierge. C'est de la maison en briques. Concierge me répond. Mais quel métier fait-elle? Hop, hop. Hop. Du coup, là, c'est écrit en gros concierge.
Et là, en dessous, au-dessus, c'est écrit. La Z. Ne réveillez pas le concierge. Aucune idée. Je sais pas pourquoi il y a un escalier. Je sais pas. Pas pourquoi. Donc là, une fenêtre. Donc c'est de la maison standard, ça va être plancher à 3 mètres. Ah oui, on a deux autres fenêtres au-dessus. Mais si, je pense que t'en as une aussi, non? Ah non, c'est pas dit. Ah. Attends, parce que faut que je regarde du coup avec... C'est pas dit qu'il y ait de fenêtre sur le côté non. Là. Tout en haut elle est. Elle est tout en haut. Mais tout en haut au grenier. Hein. Deuxième oui, étage. Grenier. Hein. Mmh, c'est ça. Par contre derrière. Mmh, derrière ils ont fait une petite extension. Une extension je dirais. Ah oui. Il n'y a peut-être pas eu de permis de construire. Oh, tout de suite là, non, non, faut arrêter ça. Par contre, là, celle-là, elle doit être visible. Ah, ben elle est là. Ah, ben c'est de la brique. Oh, c'est chaune. C'est joli. Bon, ça a pas l'air bien grand. Ça fait 2 mètres sur. Ça fait 2 mètres sur 3 mètres. Le problème de faire un petit bâtiment de 2 mètres sur 3 mètres dans Minecraft. Ouais. C'est comment dire? J'adore l'échelle 1. J'adore l'échelle 1. Non, parce que ça permet vraiment de se dépasser en termes de défis. Par contre, est-ce que ça ferait pas plus de... Oh là, j'ai trompé de blague. Ouais, 2m20, ouais. Entre 2m et 3m. Oh, purée. Attends, il nous faut de la dalle. Attends, moi je fais mon petit bâtiment, là. Avec mon petit bâtiment, j'avais l'air. Alors, sinon, ah, t'as... Toujours donner du relief hein, dans Minecraft, c'est important. Et au-dessus, c'est une porte-fenêtre, on va être enquiquiné. Ah ouais, mais en fait, c'est tout fermé. On reste sur des dalles aussi. Hein. Hein. On va pas mettre. Pourquoi je peux pas monter? Parce que t'as un plafond. Non, mais tu sais comment on faisait ça dans les grandes, dans les grands trucs, on faisait. Ouais, parce on les collait là, en fait. Vraiment... Là, c'est vraiment volet. Hein. C'est vraiment des volets. Ah ouais, tu mets des vitres, c'est fermé en fait. Ça, moi, je respecte pas les. C'est une fenêtre, hein, donc fenêtre, vitre. Hein. Après, si c'est des volets, c'est plus facile. Parce que comme là-haut, c'est une porte-fenêtre, c'est plus facile de mettre des volets. Style, on met du fer, on met des trucs en fer. Hop. Et là, on repart sur une fenêtre avec une grille. Donc, hop. Voir 3 de haut. Il faudra grillager. Ah oui, tu mets directement la fenêtre à ce niveau-là, au deuxième étage. Oui, c'est une porte-fenêtre avec un petit balconnet. Ou alors, faut pas mettre ça et il faut le bâton magique avec Sous et Nerf. Ah oui, ok. T'avais pas deux fenêtres? Oh, tu l'as. Ah oui, tu l'as collé complètement au bout là-bas. Bah, elle est en dessous l'autre en fait. Pour ça.
Sur le... Ouais. Ouais. Tu veux que je la rapproche? À ce moment-là, on la met là? Ouais, de un cran, ouais. Plus au centre. Ouais. Comme ça? On la met là? Comme ça. Ah oui, on a une toute petite fenêtre au-dessus encore, après. Non, c'est la fenêtre du grenier, en gros. La fenêtre du grenier, on l'a fait de 1. On va pas la faire de 2 Z. Hein. Ouais. On a le toit qui vient par-dessus. Là, c'est pareil. Oh, c'est des toits en bois. T'as vu le dessous? Mmh. Il est en bois. C'est comment on appelait ça, les cache-moineaux? Ouais, c'est souvent en bois. Ouais, c'est assez épais quand même. Oui, parce que ça vient au-dessus des poutres, en dessous les poutres, donc ça a l'épaisseur du des chevrons en fait. Et sur les vieilles maisons, ça peut être assez épais. Ouais. Bon, on voit bien que la fenêtre est plus petite là. Hop, c'est impeccable. Par contre, c'est bien à toi de fenêtre de tuiles. Voilà, faut que je me remette. Oh non, il m'a enlevé. On fait un truc pointu, comme ça. Alors ça, on est sur du pair, donc ça finira par une dalle. L'arrière, c'est pas le truc le plus intéressant à faire, hein. Ouais, non, ce qu'on voit pas beaucoup, alors déjà, c'est pas... Par contre, c'est plus profond que je pense que ce qu'ils ont fait, ça a une profondeur au moins 5 mètres. Ah bah si, 1, 2, 3, 4, 5. Si, si, si. Par contre, je pense que ça bouffe plus la... Parce que c'est au-delà de la moitié de la maison. Ça va plutôt... Ouais. Au moins là. Alors, il m'a enlevé encore. C'est possible, ça. Alors c'est vraiment du briquet de broc, hein. y a une première partie ici. On pourrait presque ah, c'est faire. C'est des rajouts en fait. C'est ouais. Des trucs qui ont été faits en plusieurs fois. Alors attends, je vais faire la. Puis tout le reste après c'est du plat. Ouais,
mettre dalle de roche lisse. Ouais. Ouais, c'est une porte en... Ah, je dirais c'est plus bois noir en fait. Parce qu'on a des dessins dedans. Avec une petite trappe comme ça, je pense que ce sera plus joli. Il y a un peu de porte chocolat là. Imaginez qu'ils ont essayé de faire quand même quelque chose. Hop. Ouais, le truc était plus haut. J'aurais dû le faire. J'aurais dû le descendre. Que ça ressort, parce que ça c'est bien plus haut que le reste. Ça va vraiment être bas de plafond, mais tant pis. De toute façon, c'est pas ça le plus important dans le truc, hein. Hop. Les petites annexes. Il n'y a pas de cheminée, il n'y a rien. Non. Il y en a peut-être une sur l'arrière. Sur le... Ah, sur le dessus, sur du... Le dessus du... Là, du truc. Du toit. Il y a un machin en espèce de similé béton. Mais je vois même pas où elle serait. Ici, peut-être. Ouais. Moi, je vois pas trop. Peut-être pas aussi loin, mais parce que quand on est là, on la voit comme ça. Ah oui, elle est assez haute quand même, alors. Mais peut-être en muret, du coup. Ah ouais, ah ouais, elle est sur le côté, non, mais... Muret dans des îles. Presque la faire de 4 de haut. Hop! Alors au niveau barrière, alors de l'autre côté c'est pas de la brique. Non, c'est moi qui avais mis le poteau là pour indiquer qu'il y avait une barrière Z. Ouais, parce qu'elle va comme ça. Là tout le long on a. Ah, après il y a un après il y a un muret. Là, on a une petite porte, là, ici. Puis après, on a du grillage, hein, tout le long. Ça nous fait un petit muret. Ouais, avec, t'as vu cette traviole. Ouais, du grillage dessus. Est-ce qu'on a la limite, là? Ah, on arrive derrière le bâtiment qui a... qui est dessiné ici. Alors, dessiné, mais mal dessiné, hein. Combien il fait de large, lui? Il fait dans les 12 mètres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Faire un 7, hein. Hop. On devient feignant avec l'âge. Donc là, il reste, il y a un petit truc derrière.
Et donc ici, on a un petit muret. Qui rejoint à peu près au droit. Là aussi, on a un muret. Sauf que là, ça serait... C'est toujours du grillage à ce niveau-là. Et de là-bas. Hop. Et le grillage, il va encore sur 6 mètres. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Bon, je vais aller là. Après, sinon. Stack 1. Hop. Puis après, bah, il continue sa vie, hein, le grillage. Hop. Il a l'air d'aller tout droit. Bon, il sera avec des arbres. C'est quoi du 3? Là, il y a un 4. 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4. Ah, allô Stone, on a un problème, il y a un arbre. Ah bah il y a un arbre. Oh, qu'est-ce qui s'est allô, passé? Allô, à Paris, si haut. Oh. Merci à Wakim. Merci pour ton Prime, 16e mois. Merci pour le soutien de longue date, un gros bisou à toi. Allô. Bonjour, alors, 4-3. Quatre, 4-3-3. 1, 2, 3. 4. Ici, on en a 3. Et 3, et on tombe sur l'autre mur. Voilà. Ok. Alors, le bâtiment de l'autre côté. Ah, c'est ce fameux bâtiment ici, là. Donc, un bâtiment assez moderne. Qui démarre à 5 mètres de la conciergerie. Là, tu vois, il est mal positionné. 1, 2, 3, 4, 5. Il démarre ici, en fait. Ouais, sur Google Earth, en fait, on a un échafaudage. Il y a le début, je pense qu'il était refait, mais je sais pas après. Et après, il fait 36 mètres. Donc, si on chope ça, tac tac, et qu'on fait un stack 35, paf, bah voilà, on a la bonne taille. Ah, quoique. Non, 37. Il va moins loin que ça. Il va ici. Et au niveau largeur, il serait de combien? Il fait 9 mètres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, c'est valide. Alors, est-ce que c'est un bâtiment en briques? Oui, apparemment. Avec des petites fenêtres. Hop. Faire un beau plancher. Hop. Ah, le début est pas en briques.
Ah, ça doit correspondre à l'extension, peut-être. Ouais, c'est ce que je te disais, que c'était bizarre, il y avait un échafaudage, c'était gris, je sais pas. Sur le Google Map, ouais, on voit un... Ouais, on voit un peu. Ah oui, c'est pas du béton, c'est un espèce de truc en... Comment on appellerait ça? C'est taupe. De la tôle en fait. Ouais, mais c'est couleur taupe. Je suis pas sûr que ce soit de la tôle. Ah ouais? C'est ajouré, on dirait du bois. Tu sais, un truc à claire-voie. Ah. Mais au niveau couleur, quand on n'arrive pas à déterminer une couleur, faut dire que c'est taupe. Ok. Taupe. 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 C'est taupe. C'est taupe. Non, là, c'est un espèce de gris moisi. C'est un vieux gris. Il y a le vieux rose, le vieux bleu. Il y a le vieux gris. Taupe. Comment on va faire ça? J'en sais rien. Après, on peut mettre des blocs de machin là. Et en plus, il y a l'air d'y avoir une porte, deux fenêtres. Après... Parce que derrière, il y a la porte normale. Oui, il y a une porte, ouais. Vitrée, c'est ça, hein. Mais une porte fermée, il y a une porte vitrée. Ouais, la porte vitrée, c'est celle avec les escaliers. C'est l'ancienne porte en fait. Loin. Et là j'ai dû. Ça dure 8 mètres ce truc là. Hein. Alors moi je verrais bien limite le bois de. Le bois d'acacia. Ça ressemble un peu, non? Ah oui. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais regarder quand même sur Google. Non. Donc là on aurait une porte. Alors on fait pas les escaliers hein. Bah ce que c'est que c'est. Oui c'est un étage de plus. Ouais c'est tout petit, ça c'est une marche. On va pas faire un escalier d'un mètre alors que là c'est juste deux marches quoi. C'est-à-dire que c'est 20 cm quoi. Donc on raboutisse au plus petit dénominateur pas commun. Et donc C'est roi du sol, quoi, en fait. Donc là, on a une porte. Une pop-porte. Alors, c'est porte vitrée. Oui. Porte vitrée, c'est... Je vais regarder porte acacia. Map, porte vitrée, c'est... Ah non, c'est les portes... De bois... Tu sais, le bois rouge, là. Porte karma. Oui, voilà, c'est ça. Rose. C'est rose. Rose. C'est rose. C'est rose. En Picardie, il faut surtout pas que tu dises c'est rose. Tu vas te faire repérer tout de suite. On va dire, ah, c'est une étrangère, elle est pas d'ici. On dit c'est rose. Il y a une autre porte, Z. Donc... Ouais, ouais. Attends, je suis en train de calculer. Où c'est qu'elle est? Elle est à 4 mètres. Moi que... 1, 2, 3. Que je dis que c'est... Que je dis que c'est rose. Ah bah non. Enfin, après, tu peux le dire. Ouais, mais bon, après... là, quoi. Donc là, après, c'est bien comme ça. Et on a quoi, après? Deux fenêtres, c'est ça, Z? Vous avez remarqué comment j'ai laissé le truc le plus dur en ligne? Moi je mettrais pas de la brique Ouais. Bah on a un petit bout de brique, non? Et après on a des fenêtres. Non, moi je vois pas de brique. Je vois tout. Ici, du tout. Là moi je vois tu du tu tout. Tu vois tout en, je comme vois ça tout en gris sur Google Earth. Earth. Sur Google Earth. Je vois tout en gris. Alors. Non, parce que l'autre c'est la porte en fait. Je pense qu'il y a ils ont rajouté une porte et deux fenêtres. Ouais, mais là, on voit pas bien. Oh, bah non. On voit pas bien. On voit pas bien. Parce que là, en fait, c'est de la. Quand ils ont pris la photo,
C'est de l'aggloméré grossier là, l'aggloméré de chantier là, comme pour faire les planchers. Ouais. Mais parce que J'aimerais bien les... il devait pas encore avoir la porte. Donc moi Ah je oui. mettrais deux fenêtres et une grande porte vitrée. Parce que c'est Ici, là? probablement une peut-être une porte vitrée. Et là c'est tout, là c'est du tout gris là, je pense. Alors, ah oui, tu la mets où? Ouais, à l'entrée ici donc. Ici, pof. Ouais. Pof, pof. Mais voir peut-être. Ah non, si on a deux fenêtres. Bah pour... Ah oui. Ouais, mais on colle les deux fenêtres à gauche. Donc, tac, tac. Hop, et là on a une Puis grande après la porte. porte là. On met le seuil avec ça. Hop, hop, hop. Ok. Puis ça roule. Si on les met comme ça marche. Ah oui, joli. Comment j'ai Oh, comment j'ai tout pété le truc. boum. On met comme ça. Ça fait bizarre, hein? Ce truc de... truc vert là. Ah, puis c'est tout le monde, dis donc, Z. Oh. Sur le côté. Ah, sur le côté, c'est du grisou. Tiens, on va reprendre le même. Ah, puis ça monte un peu, t'as vu, hein, le mur il monte un peu. Le toit, on dirait qu'il descend, non? Ah ouais. Oui, on lui a mis une pente. Bah, j'ai bien l'impression, hein, ouais. Ouais, allez, voyou. Mais bon, 23, 22, ouais, c'est une descente de 1 mètre. Donc Ouais, si on fait de la mais. dalle, c'est-à-dire que Ah! si on fait On de va la dalle, pouvoir mettre ça, regarde. pop. Comme si c'était en travaux. On a 4 blocs, 4 blocs. Derrière, c'est quoi? Ça va être pareil. Ouais, je pense que c'est des fenêtres du même tonneau. Au même endroit. Enfin, sur tout le long, quoi. Enfin, au moins jusque-là. Peut-être Parce que là, comme c'est une extension derrière. rajoutée. Et puis derrière, je mets tout vert, enfin tout comme ça. Ouais, ou pour rappeler le truc. Rappelez que c'est une Ouais, comme ça. extension. Oui, après on peut mettre du verre partout. Ah, ça Parce qu'on nous. voit rien là avec les arbres. Oui, on voit rien. Donc on invente. Ouais, parce qu'on voit rien du tout. Quand on voit rien, on invente. Attends, on va peut-être stacker. Toc. Combien on avait de mètres? Stack 28. Oh, c'est pas assez. Il en manque 4. Donc stack 32. Hop. On dit que c'est bon ou on fait une petite chute derrière dans ce style-là pour dire que la pluie tombe pas dessus. Oui. Pu stacker. C'est sert à quoi ce truc-là? De quoi donc Z? Ce bâtiment. Je sais pas. Alors si on veut, on peut mettre un faux plafond pour que ça soit joli. Je sais pas à quoi ça servait, Dalle ça de devait être... quartz Je sais pas. lisse. Pas noté, hein. On n'a rien. Et au milieu,
peut y mettre, on peut mettre une lumière. Je vais mettre des grosses bennes là, parce qu'on avait des grosses bennes là. Ouais, mais de la grosse benne. On va mettre la grosse benne. En fait, on va mettre un peu de. Ah, ouais. Scorch. Allez, je peux pas le mettre au cran du dessus, sinon ça va. Ça, c'est pénible ça. On va pouvoir mettre comme. Eh ben, tant pis. Ah si, on va essayer de faire un. Ah ouf. Allez, c'était du 29 là. Et c'est plus petit à l'intérieur. Salut Extra. Coucou Extra. J'ai lu qu'à Amiens, le triage des poubelles, c'est fini. Ouais. Il y a surtout, ils sont pris une, ils sont pris une raclée avec leur, amendement mendicité là. Je crois qu'ils sont même obligés de rembourser des premières amendes qu'ils ont réclamées aux SDF. Parce que les SDF, c'est des mecs qui n'ont pas de pognon, mais ils vont quand même leur prendre ce qu'ils n'ont pas, quoi. Comme quoi, ils doivent quand même avoir un petit peu d'argent, hein, les SDF. Tu nous mets des containers à poubelle? Ouais, je suis un peu, tu sais, un peu benne. Qu'il y a de la benne, hein, quand même, une grosse benne devant là. T'as vu, Zed? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dessus? On pourrait faire ça. Ça mettre un peu de déco, quoi. Ah, la grosse benne verte là-bas, qui est là-bas? Ouais. Ah ouais, mais ça, elle c'est... est verte. Moi je la vois pas verte en fait. Ah, moi j'en vois plusieurs, elles sont vertes, mais. Ah. Oh, il y a une grande barrière là. Oh bah attends, je vais mettre ça, tiens, si tu les vois vertes. Dans l'article, ils disaient même qu'ils avaient amélioré le triage automatique et que tout pouvait aller dans la même poubelle. Ouais, mais on est fort, nous, à bien. Il y a des gens jaloux du coup. Hein. Ouais. Ils sont jaloux de notre intelligence quoi. Ah c'est forcé quoi, parce que là on est à un tel niveau quoi. Aussi, y a des belles, ce qui est dommage c'est qu'on n'ait pas les, les trucs, les barres de land, on les sait pas de plusieurs couleurs. Eh dis donc Mojang. Mais on pourrait alterner, vu qu'on a mis les acacias en blanc, en rouge. On pourrait alterner. Alors on l'a fait ouverte la barrière. Du coup on alterne ça avec ça, avec ça, avec ça. C'est censé faire combien de largeur? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah 6 de haut. Voilà. C'est une barrière ouverte. Salut Erika. Bonjour Erika. Et sur le côté, ici, ben... Oh là. T'as pas fait la guérite? Hein? Il y a une guérite. Une guérite? Il y a une guérite, là. Là, il y a une guérite. Non, je vais faire la guérite. Parce que c'est important, les guérites. Alors, attends, après, du vert blanc. Oh, elle est jolie la barrière. Hop. Et puis un petit toit pour pas que je goille prenne le soleil. Pop. Ah ouais, elle est jolie ma barrière. Hein. Hop. Pouf. Ouais, voilà. Et on a une guérite. Voilà. Ça me plaît beaucoup. T'as vu mon échafaudage? Il est beau aussi. T'as vu rien? Ouais. Puis c'est un vrai échafaudage. C'est écrit échafaudage. Oui. Sinon, tout le reste ici, ça m'a l'air d'être du vert. Hein. Broche, cylindre, 2, 2, 1, masque 1.5, j'ai un petit peu de déco, hein.
après on peut laisser un peu de... Et de l'autre côté... Oh bah de l'autre côté t'as... Le neuf guérite. Au niveau détritus divers et variés... Par contre là t'as vu, tu l'avais fait, les trucs barrières. Là il y a une petite barrière là, regarde. Mais par contre je sais pas si elle est toute droite qu'elle va jusque là. Là on a une entrée. Ah ouais. Avec une petite porte. Mais je sais pas si elle est de travers en fait. Oui je pense. Oui parce que ça s'écarte après. Donc après elle va de travers. Ouais. Elle est droite sur 10 mètres. Et après elle s'écarte de la route. Donc tu peux la faire sur 10 mètres. Je vais me faire la pause. 5, 6, 7, 8. La pause goûter. J'ai entendu que Madame Z était rentrée. Je vais prendre des nouvelles. Et donc ça va correspondre à ma petite pause goûter. Et, mais avant, je vais peut-être lancer le troisième quoi qu'on fait. Nouveau sondage. Donc quoi qu'on fait numéro 3. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? La cheminée. Alors attends, dans l'ordre. A, B. La maison du directeur. C. La cheminée, ouais. Les bâtiments administratifs. Ouais. La coopérative. Donc la salle des chaudières. Chaudière. Et puis il y a le truc qu'il n'y a pas ici, donc le... Comment ça s'appelle? La brasserie là. C'est pas une brasserie. C'est... Ça s'appelle... Ah je l'ai vu tout à l'heure en plus. Ouais. Le bar. Le bar, oui c'est un nom. Ouais il a un nom. Comment ça s'appelle? Allez, je vous mets 3 minutes du coup. Vous avez plus de temps. Hop. Et moi je reviens dans 3, 4, 5 minutes. Hop, à tout de suite. À tout de suite.
il est beaucoup plus loin, le panneur, plus par là. Des arbres avant que j'y suis. Alors la commande slash. C'est moi R 40 slash j'aime le donne remettre moyen. Allez, on va voir ce que ça donne. Alors ici. Ouais, c'est pas mal. Là, on en a un chroma. Ok. Ensuite, oh, c'est pas juste slash
Hop hop hop, désolé. Ouais. Donc c'est les chaudières qui ont gagné. Donc les chaudières, c'est en face de la cathédrale. Ouais, c'est ça. C'est où il y a la grosse cheminée là. Ouais. Ouais, oui, il a un peu de traviole le bâtiment. Il fait dans les 20 mètres sur. Ouais, sur 9 mètres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et. Mais le bout, il est un peu tordu. Ouais, 19. Là, on le voit qu'il est un peu tordu là. On voit que c'est des pans. Elle fait quel diamètre la cheminée? Dans les 4 mètres. C'est cool ça, 4 mètres. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'avait pas les. Ce qu'on n'ait pas les. Les escaliers verticaux. Ah oui. Parce que si on a 4 mètres, 1, 2, 3, 4, là ça fait comme ça, un peu comme ça, tu vois. Une forme un peu comme ça. Tac, tac, tac. Et après on part comme ça. Il est bizarre. Ah oui, il est pas tout à fait. Il est pas régulier en fait. Non. C'est-à-dire que la cheminée, donc 4 mètres, ça ferait. Donc la base est là. Oui, la partie contre le truc. Elle est plus droite en fait, elle serait comme ça. Ouais. Alors que l'autre est plus sur un pan coupé, ouais. Sur un truc comme ça, ouais. Alors la cheminée, le sol est à 18 mètres. La cheminée est à 34. De 34 à 18, ça fait 16 mètres. C'est ça? Oui. Sachant qu'après, je pense qu'on va faire un truc dans ce style-là. Mais. Toc. Ah là, j'ai une photo, mais... Donc, stack 15 U. Salut, The Alpha 3D. Ça fait beaucoup, non? Ah, remarque, elle est costaud. Hein. Mais ah, non, elle est quand même. Ça paraît pas si grand que ça.
Et il m'affiche bien 34 mètres. Ah, c'est juste un peu en dessous de la cathédrale. Là, c'est quand on voit la cheminée, enfin, l'espèce de cheminée qu'il y a sur la gauche. Ouais, elle est beaucoup plus haute. Ouais. Elle est beaucoup plus haute. Mais plus ouais. Elle est plus fine, mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Par contre, la fêtière là, elle est à 27. Donc ça fait du 9 mètres. Par rapport au bâtiment? Ouais. Par contre, là, on a une. On a une baie vitrée ici. Ouais. Une ici enfin, aussi. Une ici aussi. Ouais, alors c'est plus serré vers le bord, mais. Parce que là, on a des. Tu sais, on a un peu ce style-là que t'avais fait là, tu vois, avec des murs intérieurs. Je pense qu'on va recopier le même principe. Sur le côté, en fait. Ouais. Avec escalier, ouais, c'est ça, tour 2. À 3 mètres. Enfin, donc au quatrième mètre, au quatrième bloc, il sera 18h. Ouais, d'ailleurs, oui, je m'arrêterai à 18h pile. Ouais. Faut que je remonte le moral de ma MZ. Ah. Okay. Enfin, je veux pas la laisser toute seule. Oui. Hop. Là, on pourra claquer des escaliers. Hein, pour qu'on pourra d'ailleurs mettre en mode. Par contre, on a. Chape. Ouais, soit comme ça. On a des fenêtres, c'est de. On voit un bout de fenêtre quand même en hauteur. Soit comme ça. J'ai l'impression qu'il y a quand même des fenêtres ou... Oui, il y a des fenêtres. Oui, il faut les faire avec des fenêtres. Ouais. Moi, de mon côté, je vois des fenêtres. Et puis de l'autre côté, il y a des arbres, mais j'ai l'impression qu'il y a des fenêtres aussi. Alors, par contre, sur le grand côté, il y en a une ou il y en a deux? Bah moi, j'en vois qu'une, en ouais, fait. J'ai l'impression qu'il y en a qu'une, ouais. Après, je sais pas, je vais me tromper, hein, mais... Moi, j'en vois qu'une. Qu'est-ce que vous préférez? Celui avec les trois côtés, là, les trois micro-cubes, tapez un. Celui avec un seul micro-cube, tapez deux. Ce qui aurait été bien, c'est de pouvoir avoir un seul ce que j'appelle micro-cube, c'est en fait un huitième. Ça aurait été de pouvoir mettre un huitième ici. Donc Galatil dit un. Donc un, c'est ça. Hein. Deux, c'est ça. Bonjour, Galatil. Oui, et bonjour. Petit Luc dit 2. Et bonjour. Je dirais plus non, bon, zut, il y a égalité. Ah, Flo dit 1. Allez, pour 130. Oh, tu t'es pas fait striker, petit Luc. C'est marrant, ça. Normalement, les messages en majuscule. Celui qui dit 3 a une croix. Bon, il y a une majorité de 1 là. Xtra dit 1, Dr P dit 1. Donc, c'est le côté avec les 3. Ok. Paf. Ouais. Ouais. Admettons. Par contre, tu les mets en 2 de haut, tu les mets en haut comme ça? Je sais pas en fait. Celui de droite est assez haut, celui de gauche a l'air de descendre. Oula. Ouais, on peut les faire de manière juste celui-là ici et celui-là plus haut. Ah oui, tu l'aurais bloqué en haut, toi. Ouais, je sais pas, ouais. Ah oui, tu veux que je la redescende un peu plus basse. Bah, c'est vrai que celle de... sur le côté, la vitre, elle descend plus basse. Hein. Elle descend là. Hein.
Ouais, mais là ça a l'air bouché. C'est vrai que vu ce qu'on voit, ça a l'air bouché en bas. Donc je sais pas. Du coup, on bouche en bas pas, et pas en haut. Donc, Et comme pas en t'avais haut. fait, toc toc. Ouais. Et donc là on remet le vitre. Et on met vitre. On laisse comme ça. Et puis celle-là, on la met en tout vitré. Celle du côté. Ouais. Alors après, faîtière à 9 mètres. Par contre, là, j'ai l'impression que Zeb, il y en a 5. ici quand même qui sont fermées des fenêtres là, sur le côté. Et la baie vitrée, elle est après. Pas Quand évident. tu regardes. C'est vrai qu'on Bah, moi, j'ai a... une photo, mais après, je peux te Ah, t'as l'envoyer une si tu veux, photo. mais. Ah oui, c'est vrai que... Oui. On peut faire manufacture Cosra chaudière. J'ai une photo. Ah. Voilà, tiens, si tu veux, je l'ai mis sur le Discord. Et là, on voit le côté, en fait, on a aussi des arches fermées. Sur Discord, j'ai le jardin à Fredo. Ah bah oui, c'est cette photo-là. Il est mignon son petit jardin, Fredo. Oui, il est trop mignon. Et on dirait presque qu'il y en a 4. Sur le côté. Ce qui veut dire que 4, ça ferait... Un, dos, tres, cuatro. Et c'est celle-là qui est ouverte. Et alors elle est Oui. en verte jusqu'en bas, je pense. Et les autres, elles sont en mode fermé. Parce que c'est le tel foyer pour les échappements de cheminée quoi. De chaudière. Parce que là on était censé avoir une chaudière. On mettra plein de charbon. Par contre je l'ai pas mis au milieu. Ah si, mais du coup on a agrandi ce truc. Mais j'ai l'impression que c'est une porte hein, ça. C'était une porte. Regarde le blanc, il va jusqu'en bas sur la photo. Ah oui, quand on a grandi, ouais. Ouais. Donc faudrait mettre du blanc en bas. Ouais, bloc de fer peut-être. Par contre, ça veut dire qu'on rentre pas dedans. Ah ouais. Bah bon, Ah, ou après alors on on met peut mettre porte en fer. les ouais. Avec bouton. Ouais, ça va bien. Oui, avec des ou des plaques. Et de l'autre côté, bah bon, enfin, après il y a l'autre bâtiment, je pense que là ça va être ouvert avec des portes sur le côté là. Ici, ce côté-là, la Z. Parce que de toute façon, là, ça correspond avec le bâtiment qui est derrière. Hein. Ouais. Pour l'instant, bah, on laisse comme ça et puis après. Il y a une espèce de gros comme un chéneau là, mais qui a l'air vachement épais en gris là. Ah oui, autour. Autour, ouais. Mais en léger décalage en relief. Éventuellement, on peut faire ça avec des escaliers en andésite poilu. Mais alors, si on le fait à ce niveau-là, est-ce que ça risque pas de faire trop bas? Ce que je voudrais vo mesurer, c'est à quelle hauteur on va avec un truc comme ça. Parce que là, on va monter assez haut. On est toujours pas au milieu. Oh vache.
Ou alors après, il faut passer en dalle. Tac. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, on est à 10. Ça t'avais passe. Dit 9, non? T'avais ouais, pas j'avais dit 9, ouais. Donc ça passe encore 10. Et là, après, le toit ici, il revient comme ça, sur cette partie-là. Parce que là, on a un toit qui est comme ouais, ça, ouais. En fait, qui revient après comme ça, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et ici, par contre, il est à... Pop, pop. Ah ben il est du même il est du même tonneau. Mais on dirait qu'il est plus plus plat. Il serait limite avec des dalles par ici. Oui, il fait plus vers la cheminée. Hein. Ouais. Renforcé vers la cheminée. Le problème c'est mais le problème c'est que si on met des dalles donc on va le faire avec des escaliers parce que sinon ça va pas le faire. Il faut partir comme ça. Déjà que là, on va avoir une toute petite fêtière. Toute petite fêtière, hein, Kiki? Ma petite fêtière, j'avais l'herbe. Avec ma petite fêtière, j'avais l'herbe. Hein. Donc dans la chanson originale, c'est avec mon petit bouquet. Hein. Ah bah alors, pourquoi ça veut pas poser? Parce que c'est des escaliers, que c'est pénible les escaliers. Oh, ouais. Ah oui, alors par contre, si on fait comme ça... Ici, on n'a pas le, on n'a pas l'aspect chez nous. Ah, remarque, ça revenait contre. Oui. Ça revenait contre l'autre toit. Oh vache, les salauds. Ouais, c'est ça. Le toit, il est à 28 mètres aussi. Alors que celui-là est à 27. Donc, il est plus haut. Mais le chêneau, il est à 24. Alors que lui, oh, bah, il est à 24 aussi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Oh, je fais la Z pour le petit coin. Le petit coin. Discret, ouais, discret. Coin, là. Je fais comme ça. Comme ça ou. Ouais. Ouais, parce ça, que si on le fait en mode. Sur la cheminée. Comme ça. Tu vas y arriver. Et puis après, il vient ici. Ouais. Et là, il y a toujours là. Moyen de jouer avec le bâton magique. Pour les retourner, hop. Ouais. Pour les remettre comme ça, quoi. Sinon, il y a toujours possibilité de faire le truc assez grassouillet qui est comme ça, quoi. Mais là, ça va pas aller parce que si on fait ça, hop, on vient. Ah on revient dessus, quoi. Ouais, ça recasse. Bon, pour le gris, on peut se le permettre, mais pour le gris, ça va pas. Ça passe pas.
Alors, au niveau proportion, je la voyais. Oh, si, remarque. Ah ouais, tu penses, Istra dit que il voit que la cheminée, on dirait qu'elle est pas centrée. Par rapport au bâtiment. Ah, c'est vrai, ouais, on a l'impression qu'elle est plus à gauche qu'à droite. Ah ouais, mais alors après. Eh ben la nôtre aussi. C'est le toit en fait qui fait ça, Regarde bien la Istra. nôtre. La nôtre aussi est pas centrée. C'est le toit de droite qui fait que on a l'impression qu'elle est pas centrée, parce que le toit elle est beaucoup plus plat en fait. C'est ça. C'est ça qui fait cet effet-là, je pense. Non, Non? Bon. Oui, Bah nous non plus, le, elle est oui, de pas. toute façon, le toit il est plus grand, il y a plus de pente d'un côté que de l'autre. Voilà, c'est ça, ouais. Ouais. Donc il fait plus rentrer le toit aussi, hein. En fait, la cheminée doit être centrée dans le bâtiment et le toit est de traviole. Nous, on a, c'est, Ouais. ça devient délicat puisque on peut pas jouer sur grand chose, on peut jouer soit avec des escaliers, soit des trappes, des dalles. Et ça devient tout de suite compliqué, nous. Alors que dans la nature, il suffit de dire. Ah bah tiens, ici je mets un angle de 30 degrés, l'autre je mets un angle de 35 et... c'est plus facile dans la nature. Si, si, c'est plus facile. Mais bon, on dit que c'est bon. Du coup, est-ce qu'on en profite pour faire le bâtiment Le bâtiment à côté? à côté avec les trois... Ouais. Parce qu'il a l'air, il a l'air droit et Oh, il a l'air puis rigolo. après, ouais. Il a l'air moins triste que celui-là. Hein. Quand on parle de celui à côté, on dit celui-là. Hein. Celui avec les trucs en gris. Et... Par contre, c'est re du. Ah, c'est re des arches aussi avec des fenêtres, hein. Ouais, c'est re des arches. Sur le côté. Sachant qu'il y en a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, 12, ouais. Okay, c'est bizarre, elle est floutée, on la voit pas sur la Mais table de je pense que l'Earth. parce qu'elle a pas de. Il n'y a Elle pas est de. Il fermée, n'y il n'y a a pas de rien. fenêtre. Alors combien j'en ai là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14! Ah! Ah. Ah! Ah! Ça veut dire qu'il faut le décaler. Il faudrait décaler de 2. C'est énorme. Tac, tac, tac. Alors attends, là j'en ai 3 d'un côté. Là j'en ai que 2 de l'autre. Bon, il y a un petit peu plus d'espace. Donc si... Ça va pas se voir. Il va y avoir une de trop, mais on va pas le voir. Donc j'ai 4 d'un côté... Oh, elles ont disparu? Oui, 4 d'un côté et après t'as plus rien à Z. Elles ont disparu celles-là. Oui. Bah pourquoi? J'ai fait un move. Sais pas. Oh, va peut-être falloir arrêter et redémarrer le serveur. Donc 4 d'un côté, 4 de l'autre. Donc on dit que c'est bon, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pardon. Bon voilà, si on refait pareil, donc il y en a 3 vitrées, 3 Ah, avec des s'il te fenêtres. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ici, il y en a une qui est complètement murée. me m'appelle parce que ma pelle elle a les arbres et du coup j'ai fait avec Ici, la c'est une pelle, ça porte. m'a mis un arbre. Pas bien. Alors de l'autre côté, ici, on a une espèce de porte coulissante pénible.
et 3 arches. Donc 1, 2, 3 et la porte coulissante pénible. Et là c'est du tout donc c'est stack 4. Sachant que les escaliers on les met 1, 2, 3, 4. J'ai peut-être fait un peu fort. Et pour stack 4. 1, 2, 3, 4. Ah mais non, je suis en train de faire des bêtises moi là. Et de l'autre côté, on en aurait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors si on les met en face les unes des autres, ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon. Qu'est-ce que c'est ton histoire d'élection, Xtra? Élection, piège à con. C'est un slogan de mai 68. Hein. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a fenêtre partout, à part là que t'as dit que c'était porte vitrée et... Ok. Ouais, c'est fenêtre en hauteur, ça fait comme... là. Ça, alors il y a peut-être des petits trous, mais... Les maires écoutent les riverains et font des travaux de fin de mandat. C'est de la science-fiction, ça. C'est de la science-fiction. Oh, pardon. Ils écoutent surtout leurs copains. Alors, je vais jusque là et je fais un replace 0 par 45. Pop, hop. Ah, j'ai... Non, j'ai pas bouché là. Ah, attends, comment t'as fait ici? Non, c'était une porte, mais dans une arche normale. Attends, c'était quoi? Attends, là, il y en avait une bouchée. Parce que là, on a une porte... Ouais, il y a une bouchée. Et là, en fait, on a une baie vitrée, c'est ça? Avec des vitres à côté. En gros. Ouais, c'est-à-dire que c'est tout vitré plus une porte à moitié, comme ça. Ça fait un peu dans ce style-là, mais en intérieur. Donc ici, donc là on mettra une porte. Mettra une porte style porte toc toc. Pour pouvoir rentrer dedans et puis au-dessus, encore une fenêtre, ouais. Et là à côté, c'est une porte, c'est des vitres. Comme ça, voilà, ça fait ce genre-là. Ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Et là sur le côté t'as quoi là, alors là on voit pas. Ah on a un œil de bœuf au-dessus.
Tout en haut. Bah, je pense qu'il y a encore il y a les arches. Ah oui, on voit un tout petit bout d'arche, ouais, sur les côtés. Je pense qu'il doit y en avoir 4 comme t'as fait, Z, de ce côté-là. Je pense que c'est plutôt du 1, 2, 3, 4. Ah oui, ici c'est un truc bizarre. 1, 2, 3. 1, 2, 3, ouais. J'avais bien envie de mettre des vitres. Comme ça là. On va mettre du blanc comme on avait mis ici. Bloc de champignons. Et puis pareil en bas, on peut mettre des blocs de champignons. Et puis là, on a une porte. Je me trompe pas. Par contre, là. Est-ce que c'est fermé? Est-ce que c'est des fenêtres? Là, il y a une espèce de petit passage, mais ici, ça a l'air fermé. Ah oui, ils sont de l'autre côté. Ouais, je sais pas, on voit pas. Hein. C'est des là, c'est un passage couvert. C'est glauque. Là, on voit rien. Qu'est-ce qu'on a vu mis en porte? Ah oui, on pourrait remettre un peu de ça. Éventuellement, on peut en mettre en haut. Enfin, au moins ici. Après, de toute façon, tout est. Alors. Le sol, tu le fais en quoi, Z? Bonne question. On reprend le pattern qu'on avait pris là andésite, gravier ancien. Oui, c'est sur le même. Ouais. Je sais plus ce qu'on. C'était 50% dans. 50% d'andésite. 25% de gravier. Et 25% de. Comment ça s'appelle? Ancien. Ancien gravier. Attends. Ouais, c'est pas gravel. C'est gravier suspect. Et le bon, c'est suspicious gravel. Suspicious gravel. Donc on fait sur du 3-1. Et on masque la cobble 4. Puis là, on va mettre une porte en fer. Hein. Ou une vieille. On va mettre une porte en bois après. Ah non, ça fait bizarre la porte en bois. Ouais, ici par contre. Avec plaque. Hop. Ça, bon, pour la salle des chaudières, on avait dit qu'on pourrait rentrer par ici. Ah oui. Les chaudières ne sont plus là puisque le truc est désaffecté. Les chaudières ne sont plus là, mais je pense que tout va être un petit peu noir, non? Ouais. Donc attends, il aurait fallu que je rajoute du. Alors je vais masquer l'andésite.
Et je vais faire un brush. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme noir? Est-ce qu'on met du 25% de colle or? Oui, du charbon. Hop. Mais on va masquer ça, gravel, donc 13, et suspicious. Suspicious gravel. Hop. Et on pourrait même rajouter des blocs encore plus noirs côté de la cheminée, non? Oui. Surtout dans les coins. C'est toujours là où ça se salit le plus, les coins. Ouais. Après, ça remonte au manœuvre de bœuf. Alors, je pense qu'ici on va partir sur de la dalle. Tu mets de la bim poly en noir, non? Là comme ça, je pense. Oui, c'est ça, ouais. Attends, on va faire un essai d'abord. Il faut calculer la hauteur de la. La Ah oui, visière. alors là, il faudrait que je sois ici. Donc là, on va être là. Fêtière et au niveau de l'autre là. Ouais, ça me semble correct. Donc on va faire comme ça. Hop, hop. On va stacker ça. Ah oui, puis là en fait on a des... Sur quel c'est du droit. Donc stack 30 ouest. Ou plus, au moins 40. Chouf. Ouais, 40 ouest, c'est bien. Donc on revient ici et tac, tac, et là on fait tac, tac, et stack 40 ouest. Hop, ouf, on peut le faire aussi pour lui. Schlouk. Puis ici, ah oui, alors là il faudrait faire comme ça. Là un peu moins. 38, 37. Oh là! Il la met un peu lourde. Hop, voilà. Bon, ça on va le finir à la main parce que ça va être plus rapide que de le faire.
Ah oui, c'est l'œil de bœuf, il est au milieu. C'est un gras souillé, c'est un gros. Mais comme on est sur du impair, on va pouvoir faire un gros œil de bœuf. Gros œil. Un gros œil. Hop. Bah ouais, on peut. Peut-être pas aussi bas. Ouais, mais ça veut dire qu'il va monter très haut si on fait ah, ça. Ah mais non, mais attends, parce que là ça va pas, regarde comment ça, ça me fait, moi il est bizarre mon truc. Comment tu fais toi? Moi je l'ai fait grassouiller. Ah oui, parce que le mien il est bizarre en fait. Attends, attends, parce que moi j'ai fait un truc. Oh, n'empêche que tiens, c'est un truc à faire ça aussi. Il est triangulaire. Ah oui, non, faut le voir de l'extérieur. Ouais, il est pas, ça fait pas mal aussi. Je trouve que j'ai trouvé un truc là aussi. Ouais, Fran, à ton plan. Wow. C'est rigolo. Je sais pas comment j'ai fait, mais. Ouais. Non, non, faut l'agrandir. Hein. Bah, sinon, faut casser celui du milieu là. Tac. Ah, ouais, mais ça fait pas assez large. Ah oui, ouais, ça casse tout en fait. Ouais. Donc là, toi, t'as fait comme ça, c'est ça? T'as mis un escalier comme ça? C'est ça que tu as t'as fait Ouais. Z? Et puis escalier en haut. Après, ici. Là. Ça fait du gros œil de bœuf. Ça fait du gros œil de bœuf. Tiens, la sorcière. Prout On à toi, laisse ouvert sorcière. comme On laisse ouvert comme ça, l'œil de bœuf, on ferme pas. S'il y a des vitres, donc on va le doubler de. On va le doubler de verre, hein, comme on a fait pour les autres. Ok. Ouais, ça rend bien. Après, il y a du. Alors, après, il y a des petites décos. Déjà, je pense que ça oui, doit être les trucs blancs, ça doit être des. Dans les toits, là. C'est de la tôle ondulée en non, amiantée là, en fibre ciment amiantée là. Bah ça, de toute façon, à part le bloc de fer, il n'y a pas. Ben sauf si c'est du si c'est de l'éclairage, c'est-à-dire si c'est du transparent pour pouvoir mettre de la lumière à l'intérieur. On voit pas trop là ce que c'est. Non. Donc si c'est ça. Ah oui, alors ça serait plutôt là parce que sinon. Soit on le fait avec soit ça, soit on le fait avec du verre blanc. Ouais, oui, il y a le verre caché, et mais on après les fait on verra deux. Plus rien. Ouais, mais si on refait deux de là, on va monter trop haut. Parce qu'après, t'as vu, il y a le système où là c'est légèrement en relief, c'est un peu plus haut. Oui. En fait, c'est des espèces d'aérations. Alors, si on fait réellement en sous forme d'aération, il faudrait être là. Et donc, après, descendre là. Vous voyez ce que je veux dire donc là, ça serait quand même comme ça. Hop. Et donc ça fait comme des aérations. Bah, je pense que c'est par rapport aux évacuations, par rapport à la fumée de la cheminée. De toute façon, là on a encore trois cheminées. Hein. Ouais.
Ouais, sinon il y avait ce verre-là, Z, mais ça va trop être fermé. Oui, du coup on n'aura pas de lumière à l'intérieur. Ouais, c'est ça, ouais. Bah oui. Mais du coup je pense qu'on va pas mettre deux. Ça m'embête, mais Un seul. parce que comme il faut les intercaler, enfin comme ça serait bien de les intercaler. Parce que si on les intercale comme ça va faire bizarre et normalement on est censé. Ou alors ça veut dire qu'il faut en mettre un là et pas là. Mais là on tombe sur le. Oh, quoique. Bah, moi Et aussi. puis on stack ça. Allez, on stack ça sur 12 pour voir. Hop. Et ça donne un truc comme ça. Ouais, moi je trouve que ça fait pas mal, hein. Donc stack. Après, il y en a qui sont un peu plus. Ouais. Sont plus blanches, elles sont noires. Ouais, ils Bah, ont fait après, on dans peut le style, peut-être ils les ont fait un remplacer. style. Ouais, on peut peut-être les remplacer un peu par les Le problème noirs, c'est que les. ça Ah oui, mettre les noirs. va. Ouais, un petit peu, non? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. 1, 2, 3, c'est à partir de la porte, là, ici. Ouais, on aura ici, en noir. En gros. Et Alors puis là, après, on aura ici. j'ai commencé trop tôt mon truc, moi. Parce que c'est au niveau de. Ça s'arrête à peu près à la fenêtre cachée. Niveau de la Ça fêtière s'arrête là. ici. Voilà. On va le déplacer. Comme ça. Ouais. Ouais, c'est assez large quand même, hein, les aérations. Ouais, après ça va jusqu'au moins là. Donc il faut encore stacker sur 4. Hop. Après, il doit y avoir deux, trois, peut-être deux, trois d'écart, même pas. Est-ce que je ferais Pour pas un une autre. copie? Toc, je me mets là. Je fais un expand 3 vers le haut. Je fais un copie. Hop, tu me dis qu'il y a 3 d'écart. Donc 1, 2, 3. Hop, À peu près, je me hein, je remets là. pense, hein. Je fais un paste. Pop. Et Et l'autre, par contre, après. elle est plus éloignée, Z. Style Elle est là. plus vers la fenêtre qui est fermée, oui, voilà, à peu près. Et donc après ici, par ici, on refait le même système avec Les fenêtres. les fenêtres. Quoique là, Il y a les cheminées. ça a l'air bizarre. C'est de la même couleur, comme si ça avait été fermé après coup. Ouais. Et puis les cheminées, évidemment, qui mettent le bazar. Donc au début, il y en a, puis après, on dirait qu'il n'y en a plus. On est à 2. On tombe même sur le mur. Ah oui, alors que là on l'avait pas le mur. Ok. Bon, on va stacker, hein. Tac. Tac. Et on en fait combien là? Stack 8 vers l'est. Ouf. Oh là, ça a pas fait. Non, c'est parti en dessous, je pense. Ah. Ouais, c'est pour ça Voilà. que faire. Alors, les cheminées, on les fait en quoi? En bloc de fer. Oh, oui. Alors, on en Ça met sera une quand même plus costaud. À ici. peu près là.
une ici. Puis l'autre, elle est à côté, juste à côté. Elle est pas très loin en fait. Ouf, elles sont quasiment à la même distance. Alors celle-là, je vais la rapprocher de d'ici. On va y arriver, on va y arriver. Hop, il n'y a plus qu'à les monter. Oh, je vais les faire en dessous. Bon, puis moi, je vais juste changer un peu là les vitres. Histoire de changer un peu. C'est plus comme ça. Ici, c'est du noir. Là, on va du noir. Après, après blanc. Pour avoir des foyers ici. Je sais pas comment les faire par contre. L'armoise. Ah, ces trucs là peut-être. Ah, c'est de la craquelée. Moi je veux de la. On peut touiller hein. Bonjour, tête d'ordinateur, computer head. Vous avez vu ce que je vous ai envoyé sur Discord? Non. Ah non, j'ai pas fait attention. Où ça? Comme j'ai enlevé les sons, moi du coup. On voit rien, il n'y a pas de motif. Fait... On peut le masquer ça. Ah si, c'était sur Amiens, comme quoi tu t'étais passé à Saint-Leu, non, c'est pas ça? Ah, c'est Computer Girl, la fille oui, du computer. Ça. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Je suis passé à Saint-Leu, en vreux, en VR. Oui, on l'a vu. J'ai même mis un pouce. Ah, par contre, on les a pas les escaliers en craquelé. Mojang, il est pas très cohérent. Hein. Ouais, ça fait déjà pas mal les petits fours. Ah oui. Mais, ah ouais, bah oui, c'est moi. Je suis prêt. Là. Oui, c'est bizarre parce qu'on a les blocs. Les escaliers. Bon après c'est pop hop. Hop. En message privé, j'ai rien reçu. Hop. Mais peut-être que il y a des trucs en attente. Non, demande de message, j'ai rien en attente. Hop. Hop hop. Donc on les a pas reçus. Bon là ça serait peut-être bien de finir comme ça. Sinon ça fait trou et ça fait bizarre. Oups. Aïe. Et de l'autre côté. Bon là on peut le laisser mais ici ça va faire bizarre. Ouf. Hop hop. Ah, sur les côtés, tu veux dire, Z? Ouais, ici, on peut le laisser, par contre. C'est en continuité de la porte. C'est pas trop gênant. C'est pas trop gênant. Hop. Ok, bon, ça roule. Ah oui, là, par contre, on faut bouger
pousser aussi là. Ouais, on peut. Voilà. Ouais. Ouf. Des trappes, des trappes, des trappes. Et là aussi. Ça, pour ça pouvoir sortir bizarre. Sinon. Voilà. Oh, on peut pas sortir. Ah, je veux sortir. Laissez-moi sortir, c'est ma station. Moi j'aime bien me balader partout, hein, donc hop hop hop. Pas être prisonnier. Impeccable. Bon, ben, hé. Bon, après, il y aura des petits buissons, tout ça à mettre, mais ça, je le ferai après. Il y aura de l'herbe. 17h44, il reste 16 minutes. Par contre, j'ai l'impression qu'on a ici, on a une grise aide ici, là, de côté. Ah, oui. Exact. Une petite grille avec un petit muret, ouais, je avec pense. Un petit muret. Salut J1. Coucou J1. Ah ouais, on glande. Qu'est-ce que tu veux faire à Amiens? Là, on a bien avancé. Hein. Ouais. On a quand même fait la conciergerie. La salle des chaudières. Avec la super... Avec la super cheminée. Bon, les chaudières ont été déménagées. Hein. On a aussi fait les écuries. Il n'y a plus de cheval. De chevaux. Enfin, cheval quoi. On a fait les écuries. Oh, 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 oh. On a fait la conciergerie avec le petit bâtiment qui est à côté. Et surtout la barrière rouge et jaune à petits pois. Qui est ouverte. On peut la faire que ouverte. Ah non, on pourrait la faire fermer, Marc. Vu que c'est une barrière. Mais du coup, ça ferait pas du tout le même effet. C'est vite quoi, un lieu à rêve parti. On n'est pas en Bretagne ici. Moi je laisse ouvert. Hein. Ouais, laisse là ouvert. On fait comment Z ici, on met un petit muret aussi ou... Ouais. Ah ça aurait été bien ça... de tomber limite en face d'un truc... Sur le... du pilier. Non bah regarde, t'as vu comment c'est fait? Ça a l'air d'arriver n'importe où. Je me demande si ça avait été prévu la fermeture. Hein. Moi je pense que c'est plus une barrière. Ouais. Il y a un panneau dessus, à mon style avis. Style barrière de chantier, tu sais. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, je pense. C'est parce qu'on peut faire France. Éventuellement, c'est mettre. On peut mettre ça et puis voilà, un truc comme ça. Hein. Bon. Ouais. Ou tu laisses des barrières, hein. Ça fait plus barrière de chantier qu'autre chose, je pense. Et J1, c'est des hauts ou des hauts zéros que t'as mis? Parce que si c'est les zéros de France, c'est pas gentil, hein. Là, c'est pas gentil, hein. Ben. Qu'est-ce qui va nous rester à faire? Faisons le point. Pas grand-chose, parce qu'on a quasiment tout fait. Oui. Il nous reste la maison du directeur. Ici. Il nous reste la coopérative... Il nous reste le bar, qu'on a oublié le nom. La fila, ouais. C'est pas la filatrie, la filatière. Attends, c'est marqué sur Google Earth. T'as mis des hauts. Attends. T'as mis des hauts, J1. Attention. C'est le blue pub. C'est encore changé. La filature. Ouais. La filature. Le blue pow, la filature. La filature. Donc il nous restera ensuite dans la liste des trucs jolis à faire. Non. Qui sont référencés ici sur la page Zadok. Encore des machines à vapeur. Puis la filaterie. 4.
Atelier de tissage d'étoiles et d'ourdissage. Bah, en fait, on a encore pas mal d'ateliers après, hein. Mais sinon, il y a la coopérative, la maison du directeur et... Ah, et puis l'administratif, qui est ici. Oui, c'est ça. Oui, là, les bâtiments administratifs. Après, on aura encore des bâtiments industriels ici, mais dont la moitié ici est... n'a plus le toit. Et ça finit en mode les arbres y poussent quoi. Parce que ça fait un moment qu'il a dû tomber le toit ici. Parce que là les arbres ça fait un peu pépinière. Mais il y a des endroits où il y a des toits. Là il y a des toits. Là il y a des toits. Ça sera probablement fait hors live hein, tous ces bâtiments là. Parce que pour qu'on avance et tout. Donc les bâtiments contre la Somme. On fera ça hors live. Oh là, il y en a qui sont en mode destruction planétaire. Pop, pop, pop. Après, ces bâtiments tout droit sur la Somme, donc c'est pas si facile pour aller gauche, pour les faire en live, hein. Ça va Pareil vite, pour ceux hein. qui sont au bout ici, n'ont pas un grand intérêt. Ceux-là sont plus rigolos. Oui, ce qui sont les toits penchés. C'est des toits penchés et puis il y en a dans tous les sens. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Ils sont pas que penchés là. Il y a des penchés ici, là, en dents de scie. Mais là, il y a du classique. Il y a du classique à différentes hauteurs. Des toits comme on les aime. Bon, pareil un peu ici. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Ça sent le truc qui a été construit en plusieurs fois, ça. Hein. Et toi, plat aussi. Pas trop dans ce coin-là. Les toits plats, c'est plus là, mais ça fait très moderne ça. Ça fait beaucoup plus moderne là, ces bâtiments ici là, contre la Somme. Ouais, je pense que ouais, on dirait comme des habitations là. T'as vu? On dirait comme des. Ça fait bizarre, hein? Tu crois? Non? Je sais pas. On n'est pas C'est chez les Chinois là, bizarre. on dort pas dans la truc. Non, mais on dirait comme des. Ouais, comme des vieux HLM là. Je sais Alors, pas, la c'est bizarre. question de Computer Head, hein, vous allez les faire en dalle ou en escalier les toits? Bonne question. Probablement du mixte. C'est-à-dire que Il me semble que j'en avais. la partie très penchée ici, ça va être de l'escalier, voire bloc escalier. Et la partie moins penchée, ça va probablement être en dalle. C'est On avait certainement comme fait, il ça me que ça va semble, finir, hein. des toits comme ça en centre-ville, il me semble. À l'ancienne usine de je sais plus quoi, à côté des moulins. Il me semble qu'avec C, on avait fait des toits. Je sais plus si c'est dans ce coin-là. Puis là, ça sera en bloc parce que là, c'est du verre. Là, c'est en verre et là, c'est de la tôle. Non, c'est pas de la tôle, ça doit être de la tuile. Là, c'est de la tuile, clairement de la tuile. Ce bâtiment-là est rigolo. Il a encore une belle entrée un petit peu à la mode de la cathédrale. Oups. La cathédrale qui avait un super portique. Qu'on a refait. Oups, j'ai plus. Hop. En toile d'araignée. Ah oui, c'est vrai qu'on pourrait rajouter quelques toiles d'araignée vu que c'est abandonné. Hop, Ben oui. voilà. Ça, c'est du portail à son pépère. Par contre, on peut pas rentrer là. Ah, on n'a pas prévu de rentrer dans la cathédrale par la. Ah, par là, l'entrée Par principale. l'entrée principale, ouais. Faut passer par ici et hop. Ouais, là par exemple ici, araignée. Pour rajouter de la toile d'araignée. Hop. Ah oui, c'est vrai qu'on passe par sur le côté. Ça c'est Oh, marrant, il y bah a un truc écoute. cassé là. Ah. Surtout là où c'est Si on noir. a une autre entrée, il y a l'entrée ici sur les côtés là. Ouais. Oh, c'est tout noir. Hein. Oh, Faire que des pièges comme faire? ça et... Oh, je suis pris dans les toiles d'araignée. Ah oui, il faudrait mettre un spawner. Oh, c'est quoi ça? Pourquoi il y a du rouge là? Je... Ah! J'avais oublié le détail qui tue là. Non, mais vous êtes joueur, hein. Vous êtes joueur. Ah, ça sera déclenché uniquement le win. Ah,
Loin, loin, loin. Ah, loin, loin, loin. Oh, bah. Oh, bah, on qu'est-ce a que redis chauve-souris. Oh. Mais qu'est-ce que t'as fait, Lynn? Des bêtises. Bah, c'est quoi? Comment ça se fait qu'on a des chauves-souris, elle? Parce qu'il y a un spawner. Bah oui, c'est bien. Merci la flûte pour les 9 bits. Et salut à toi. Ça faisait longtemps que j'avais entendu le son des chauves-souris. Moi, je les avais pas entendus. J'avais vu la petite lumière. Je t'ai dit, mais c'est quoi cette lumière? Je me rappelais plus du coup du spawner. Bon, moi, je suis gentil. L'étoile d'araignée, je l'aimais pas. Par exemple, ici, là. Ça, c'est pas gentil. Ah oui. Ah, ça fait vraiment... ça a barré tout le chemin, quoi. Si tu passes là, c'est bon. Oh, ça a pas été... ça a pas été fini, ici. Où c'est... Où... Hein? On a bien fait de revenir. Oh bien. Alors c'était pas prévu d'être fermé, je sais pas. Je sais pas pourquoi c'est fermé d'un coup ici. Oh, pourquoi il y a un trou ici? Ah bah c'est normal, oui, c'est normal. Non mais j'ai rien dit. Oh yo yo. Il manque des araignées venimeuses. Ça on le fera, il y a des trucs qu'on fera en live. Il manque les briques qui manquent. Non, c'est encore assez en bon état en fait. Je vais noter à mien. Non, je l'ai pas mis, je le rajoute. Amiens, le serveur a passé en pas paisible. Ah oui. Ah mais il est 56 net. Ouais, je vais... On va arrêter le live là. Il faut que j'aille m'occuper de Madame Live. Madame Live. Madame Z. Hop. Ah, et du coup, on pourrait mettre un lit dans le à la conciergerie. Oui, bah oui. Et puis, bah, on mettra le distributeur dans le bar, du coup. Ouais. Voilà, il y a plein de lits. Bon après, s'ils ont une... Y a quelqu'un ? C'est un peu trop ça. Y a quelqu'un ? Ah, il y a un mouton. Bon. Oh, mais c'est mignonnet ici, c'est trop mignonnet. On peut rajouter les poulets frites, hein. Voilà. Normalement, j'ai envoyé des trucs. Tu m'as envoyé des trucs à moi? Comment ça se fait que j'ai rien? Un petit poulet frites. Ah si, c'est bon, ok. Ah, dans les MP de Discord, peut-être. Pop, pop. Moi, les MP de Discord, je les regarde... De Twitch, je les regarde jamais. Ah, c'est parce que oui, il faut que je t'accepte ton ami, du coup... Bah, je vais accepter, et puis...
je vais les renvoyer à Z du coup. Ok, Dak. Bon, ben, hop. Donc, ah, c'était un sympa. Petit live. On fera mieux, j'espère, la semaine prochaine. Et puis, ouais, donc, ces bâtiments-là. Si j'ai un petit peu de temps. Je vais te les renvoyer. On viendra les faire. Alors, ceux-là, ils sont un peu de traviole quand même. Le long de la Somme, c'est un peu de traviole. Et. Et puis les autres, eh ben on les finira ensemble. Mais je pense qu'on va, on va quand même essayer de limiter dans le temps le, parce que le chantier est assez grand. Donc on va quand même essayer de limiter dans le temps le nombre de lives sur ce, sur cette construction pour après passer à autre chose. Il manque la maillot. Bah, fait une demande aux Suédois, mais ils sont peut-être pas très maillot les Suédois peut-être. Je sais pas. Ils ont l'air de manger des drôles de trucs, non, les Suédois. Ah ouais, mais non, si je te fais ça comme ça, Z, ça va pas marcher. Déjà les sandwichs. Non, les sandwichs. Les petits pains, un petit déjeuner qui pètent les dents là. C'est quand même bizarre. Donc. Les petits pains, petit déjeuner qui pètent les dents. Ouais, les crêpes. C'est une... Je sais plus comment ça s'appelle. Ah si, on a fait le monument aux morts. Moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. La victoire de Leto. Il était né Leto en 14. Ah oh, bah ouais, je suis bête. Je suis bête. Ok. Bon, merci tout ouais. Le monde, merci Lynn. De rien, Z, je t'ai envoyé les images qu'il m'a envoyées. Ok. Merci aux modérateurs, merci aux donateurs, merci à vous tous. Des gros bisous. Et puis, vous se posez la question. Des gros bisous, puis à bientôt. Demain, c'est mercredi. Donc, mercredi, c'est du modé, c'est le Titanic. Jeudi, je ne sais pas, ça sera la surprise. Vendredi, c'est le navion. Et samedi, ça sera peut-être un petit peu de Factorio et puis le Titanic. À bientôt. Au revoir, Adé. Bientôt. Des bisous.